C'est bien Ultimate Edition. Ah, le premier, ouais. On va jouer normal, hein, histoire de pas trop cracher du sang. T'es dans la cinématique? Dis-moi, t'es dans la cinématique, c'est Ouais, bon? c'est bon. Oula, Justement, ça a j'allais dire, bugué bah, là. dis-moi quand t'es dans la cinématique. Ça a Non, j'ai mis bugué. pause. Ah putain, j'ai eu peur. J'ai mis pause. On dirait pas trop là, Par contre, je dois baisser aussi le son du jeu, je crois. Je t'ai dit, gros, ça m'a Attends, éclaté, gros, ça m'a éclaté. Je vais même pas baisser le son du jeu parce que là, je suis dans la cinématique. On sera après. J'ai bien fait de faire un rôle, là. Tiens, t'es ici, toi? Je viens te chercher. Mais ça, tu en auras besoin. Tu vas t'attirer des ennuis en faisant ça. Plus maintenant. Ça a bien changé. Il faut y aller. On fait quoi, les autres détenus? On peut pas les laisser là. Déjà libre. Hoffman a tout pardonné. Il s'est changé où, super vite, mon bâtard? Te revoilà dans les rangs, soldat. Mais ouais, c'est changé en deux. Bordel! Allons-y. Ah, je suis ton pote. Ah, oh, il est déjà plus beau que le premier, je te le dis direct. Attends, je me pose et je vais baisser le son du jeu. Mais je te le dis direct, là, il est déjà plus beau que le premier de base. Ah ouais. Bon, après, le ouais, premier, il bah, était le sur premier, 360. J'ai joué il y a longtemps. Il était sur. C'est l'un des premiers sur la 360, ouais. C'est un très très vieux jeu. Ah, l'ancien. Tu sais que là, je me rappelle même plus. On a le choix. On peut retourner par où je suis venu, par les quartiers des gardes. C'est long, mais c'est sûr. On peut aussi passer par les cellules, mais ça va chauffer. Tu préfères quoi? Les cellules. Bah, direct. Je préfère tranquillement mais chauffer, tu vois. Ouais, cool, ouais, c'est 64, ici Delta 2. On est en route, à vous. Bien reçu, on se met en route. 64 en position. Fox 1, Fox 1. Oh, ici Delta 2, Attends, je rebaisse le son. C'est encore fort. J'ai baissé de moitié. Et le feu. T'imagines, tu mets son feu. Ah mais gros, tu viens sourd à la fin. Attends gros, parce que même là c'est super fort. Je pense fort, que le... Si le commandant savait aussi encore. Chercher, je serais vraiment dans la merde. Bon, allons-y. Voilà. Ouais. Ah ouais, d'accord. Je laisse rentrer. Hein. Par contre, c'est sombre, hein. Les parties sombres sont sombres. Les parties lumineuses sont vraiment lumineuses. Ah, ils sont plus sombres, hein, les premiers. Bien reçu, appelons des renforts. De base, le premier, on est là quand même plus vrai. Peut-être que je t'entends à peine, hein, t'as même le son de ta peur. Attends, je t'entends pas, mec. C'est trop fort, le son est trop fort. Je t'entends même pas, frérot. Je t'entends pas, gros. Ça serait de ouf. Attends, je vais mettre le son à 1 là. Eh gros, je vais mettre toi à 1, je crois. Je vais mettre toi à 1. C'est bon? Normalement. Ah bah là, c'est mieux. C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Je peux pas te pinguer, mais si tu veux, t'as des grenades ici. Et les pings, ça arrive à partir du 4, je crois. Voici va. Marcus, lance tes grenades. Pourquoi je lancerai des On grenades On dirait que ça se calme. Reprenons des munitions. Un gros là qui arrive, un gros là. Marcus, il perce la porte. Oh. À couvert. Attends, j'ai balancé une grenade. Bouge pas.
Oh. Accueillons les dignement. Je peux pas l'accrocher sur le mur là. Je suis mort mec. Aide-moi. Je me suis pris la porte dans la gueule. Ah, t'as ouf, t'es là que t'as ouf. Mais gros, il est sympa, je trouve qu'il est bien fait pour Gear of War 1, en vrai. Après, c'est un remaster celui-là, faudrait jouer au premier, si vous prenez. Il est un peu moins beau, mais après, c'est vrai, c'est un peu similaire. Quoi. Mais celui-là, il est meilleure qualité, hein, je te dis. Hein. Je me souviens, j'ai déjà joué au premier. Mais quand même, il était pas mauvais, hein, pas du tout. Mais c'est juste qu'il y avait pas mal de. Et un peu plus moche, quoi. Bah, juste comme ça, t'as mis quoi en difficulté? Normal pour moi. Bah ça met pour tout le monde je crois. Non, tu peux pas. Ah tu peux pas modifier la difficulté quand même. Comme on fait là maintenant pour individuel? Non je crois pas. C'est à partir du 2 je crois que tu peux faire ça ou quoi. Moi je trouve franchement qu'il est sympa, je trouve qu'il est vraiment bien fait comme moi. Ouais. Pas d'avoir des succès depuis tout à l'heure. C'est le début, hein. Ça, ça fait plaisir. Ouais. Et c'est pas de la chance. Ah ouais, c'est. Il a disparu ce monstre là, il était trop bien aussi celui-là. Mais il est énorme. Il est plus, je crois, dans le. Ah ouais, il est plus. Non, il est plus. Mais c'était un monstre celui-là, il était trop bien. Ah ouais. Il était chaud aussi. Hein. Bienvenue dans l'escouade Delta. Bah, wesh, comme tu sais, je me fais pas de succès, gros. Gros, j'ai que des succès. Je vais terminer la partie de la coopération. Hoffman. C'est beau, hein. Ah, super. On va bien se marrer. Elle va dire que c'est un jeu 3-6 à la base. Hé, hey, c'est toi, le fameux Marcus Phoenix? Celui qui s'est battu à Schofield? Ah, c'est Anthony Carmine. Waouh, cool. Pas vraiment. Wow, cool. Je m'attendais à une cinématique de ouf au début. C'est un truc qui dure 15 minutes là. Vous ? Un traître comme vous déshonore l'uniforme. Tout aide est bon à prendre en ce moment, hein ? Poussez-vous. Lieutenant, j'ai une bonne nouvelle. On va finir cette guerre une fois pour toutes. Eh oui. Mouvement ennemi détecté à proximité, colonel. Des locustes! Ouais. Ah ouais, gros, c'était séché, frère. Bordel! On a maintenant la bombe lumière. On anéantira cette vermine d'un seul coup. Pour l'utiliser, il nous faut des coordonnées précises. C'est là que le résonateur entre en jeu. Ça permet de cartographier leur tunnel pour les frapper en plein cœur. Là, ça va barder. Oh oh. Mais c'est pas dans le 2 ou dans le 3 que tu tentes dans le tunnel à l'intérieur dans le monde. Ils étaient ici. Dans le tunnel ? Ouais, non, tu rentres dans leur tunnel et tout, au bout d'un moment, je sais plus c'est lequel. C'est dans le 2 ça. C'est dans le 2, ouais. Ça c'était un bail aussi. Hein. Mais vous rigolez ? C'est vous les renforts! Plus que deux! Les Nématistes empêchent nos coucous d'accéder à la zone. Vous serez à pied! On est foutus. RAS! Mais le lieutenant vous fournira toutes les infos! Bien, colonel. Mais il est plus que temps de partir, non? Oh! Tout est clair? J'attends de vous que vous vous surpassiez, Phoenix! Je fais pas ça pour vous. Ah t'as passé. T'as passé la cinématique. Non. Ah ouais. Non non. Ça a coupé comme si t'avais passé. Anthony Carmine. Quel PGM celui-là. Et comment on fait pour utiliser la tronçonneuse dans celui-là? C'est B longtemps. Ah tu vois je préfère B tu vois. Que RB. C'était comme ça du 1, 2, 3, je sais plus c'est quoi la touche pour le 4. C'est... Après dans le 5 c'est RB.
On joue un tronçonnéon là. Et on joue un tronçonnéon aussi. Les américains. Ranime-moi, ranime-moi. Je peux pas te donner coup de poing. Je suis trop habitué au nouveau Gears, bah gros. Moi, j'allais lui donner un coup de teigne. Gros, il va niquer ça. Et en fait, tu peux même pas. Parce que j'ai fait pareil que toi, en fait. J'ai voulu faire B, j'ai spammé B, mais ça a rien fait en fait. Non, non, bah non, c'est que la tronçonneuse. J'avais oublié ça. Marcus, contournez-les. La différence de difficulté entre ça et la horde en démon là. En même temps, là on est en normal, c'est comme si on jouait. C'est comme si on jouait en mode débutant dans Gear 5 quoi. On arrive quand même à mourir hein. Je dis ça, je dirais. Ah genre mais ton perso il peut s'essouffler ici. Oui il s'essouffle. Mais dans le 5 non? Enfin c'est pas il s'essouffle, c'est juste qu'en fait il entend, il fait. Ah ouais. C'est tout, hein, il s'essouffle. Compris, pas. Hein. Delta. C'est juste qu'après il respire plus fort quoi. Je sais pas s'ils font ça dans le 5, je m'en souviens plus gros. Mais là, alors qu'on y a joué hier, tu sais, je m'en souviens même pas, tu vois. De ouf. Mais voilà. Normal, ça c'est un petit détail aussi, c'est pas un petit détail que. Quand tu t'es sur le point de jeter une grenade, frérot. Non, non, c'est à partir du 2, je crois, les grenades pour les trous, je crois. Ouais, bien. Je sais plus, c'est dans le 1 que tu dois faire ça. La terre. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Oh quel PG. Quand on entend bien le bruit des pas quand tu marches hein. Putain. J'espère que c'est pas Rora cela. Son gamin a eu lieu la semaine dernière. Succès, pas succès. Eh bien, c'est peut-être Alpha. Plus de plaques. C'est le résonateur? Non. On fait quoi? On ramène le résonateur. Marcus. T'en penses quoi? Je pense que ça pourrait être Alpha. Ou peut-être un piège des locustes. On va en avoir le cœur net. L'intérieur du palais des souverains. Notre prochain objectif est le palais des souverains. Tout droit. Ben. C'était quoi du coup ce qui tenait dans la main? Une troïka. Ah putain, je me mets à couvert moi perso. Je sais pas. Franchement, cet objet il me donne. Ah oh, mais j'étais parti les contourner moi, c'est chiant. Ah t'inquiète, une grenade. J'étais parti c'est en bon. Mode
En monstre mon gros, je suis parti, allez, je fais contournation. Ok, il tire dans le mur, je sais pas pourquoi lui. T'as des grenades si tu veux au milieu là. Des mines. Où ça? Même pas pingy la fontaine. Yes. Ah non, on peut pas pinguer dans celui-là. Je crois que c'est à partir... Je suis pas sûr, mais je crois que c'est à partir du 3 que tu peux pinguer. En 3 sur 1. Putain, j'arrive même pas à 3 sur 1. Encore un puits de larves. Lancez une grenade dedans. Ça va faire. Ils ont rien de partout. On dirait que ça se calme. Reprenons des munitions. Suivez-moi. C'est le gars tout derrière qui a dit suivez-moi. Bah ouais, voilà, c'est le mec de l'hélico. Et j'avoue, le mec il est tout à l'arrière gros. C'est bon. On retourne en arrière. Ah ouais. Il y a donc... avec Carmine. Dom et moi, à droite. À vos ordres. Ah bah c'est pas là. Ah ouais, il y a beaucoup de trucs qu'on sépare comme ça dans le 1. Il y en a aussi dans le 2 je crois. Et là, ouais. Peut-être dans le 3, je m'en souviens pas trop. Et gaffe à toi hein. Ouais, parce que là cette fois-ci si tu crèves, je crois que tu peux crèver définitivement. Je sais pas si tu peux te faire réanimer par le bot. Je sais pas du tout. Le 5 en tout cas tu pouvais. Ouais, mais, et le 5 c'est le dernier aussi. Ouais, ça c'est le premier. C'est ça. Il y a quand même une génération de différence. Hein. Même deux, parce que même le 2, 5 ouais. Au départ il est prêt pour CX quoi. Enfin, compatible avec CX. Y'a un autre nid à l'angle. Avec un guetteur, à droite. Descendez-le d'abord. Putain. Retourne dans ton trou. Allez. Renfort de locuste.
Ah, j'ai perçu une grenade pour rien. C'est toi. Ouais. Négatif, Delta. C'est toujours silence radio. À vous. Compris. Dom, Phoenix, cherchez une entrée. Je reste derrière avec Carmine pour vous couvrir. Et Alpha. On leur porte secours si on peut. On y va. C'est parti. Ouais, c'est quoi ça? Du locust qui arrive, je crois. Ou le terrain qui se dégrade. Il y a une tourelle. Yes. Putain, tu te prends ou je le prends? Le dégoume. Le gros, ta grenade. Ah ouais, mais gros, ta grenade. Dis, je le dégoume. Ouais. Pourquoi je me fais démonter par derrière là? Je suis mort, I'm down. On a un puits de larmes. Attention, ça. Voici moi. Joli. Je suis à terre. Debout. Oui. Debout, il t'a mis un pompe là dans la tête là. Ouf. En formation. C'est libre. En rang. Attends, faut que j'épingle un truc. Vite, mon téléphone il va vite s'éteindre. Il va se détruire parce que j'ai oublié de le charger. Ah. Il me reste littéralement 1% de batterie. Ah! Attends, je veux l'avoir, je veux l'avoir, je veux l'avoir! Hop là! Petite tête! Elle s'est fait éclater, vous. Petit Anthony Carmine. Petit. Merde! Non, en vrai, c'est il est gentil, Carmine, en vrai, mais bon. Dans les sens Gears of War, les Carmine au début de. Chaque licence au début avant. Ils se font niquer. Ils crevaient dans les deux premiers. Ouais, dans les deux premiers, ouais. T'as plusieurs Carmine et à chaque fois ils se font démonter entre les BDT. Après, c'est à partir du 3 où il sera. Ah, même dans le 5, t'as bien vu, il est mort Carmine. Hein. Ouais. C'était une meuf. C'est la meuf là qui conduisait. Ah, ouais. Exact. Mais en fait, ils meurent tous en fait. Non, parce que t'as il a été une Carmine qui est vivant. Celui du 3. Ah ouais, mec, là t'es... Fais gaffe, rentre pas, rentre pas. Te voilà sur pied. Joli. Contrôle X Delta, à vous. Super, bon équipement. La qualité. Comment il marche? Non, j'ai très bizarre. T'as vu gros, il faisait du moonwalk. De ouf. Ses jambes gros, elles faisaient n'importe quoi. Je vais ouvrir la porte, j'ai le code. Vas-y, que t'as ouvre la porte là. Je crois qu'on a retrouvé Alpha. On y va. Y'a un petit concert de mitraille. Ah, là-bas. Alpha. Ouh, ouais. Ouh, ça. Tu voulais l'une ou quoi? Je vais
lui, il ira rejoindre mon Western. Ouais, comment on fait? Let's go. Vous ouvrez la porte, vous avez dit qu'ils avaient le code. Ouais. Alors ouvre la porte. Hey, attends, il y a un mec de toi. Hein. Je perds mon sang, je sens plus mes jambes, je peux plus bouger, me laissez pas là. De retour au combat. Ouais, ça c'était de l'action, mec. Décline ton identité, soldat. Soldat Augustus Cole, escouade Alpha. Cole ? Le fameux Cole ? Ouais, c'est ça. Où est le reste de ton escouade ? Elle attend sagement au tombeau. On est l'escouade Delta. On est venu chercher le sonar. Et pour sortir ton escouade de là ? Bah c'est gentil, on attendait l'hélico, mais nos radios sont complètement bousillées. Chef ! On avait remarqué. C'est les essaimeurs, ils gênent nos transmissions. Alors il faut commencer par régler ce problème, lieutenant. Ok. Il faut rétablir le contact radio avec le contrôle, en priorité. Numéro 83. Wow. Ouais, c'est moi le roi. Tu te souviens de lui? Il jouait pour les Cougars, arrière défensif. On t'a vu jouer. Tout le monde veut voir le héros, mec. Attends, vous êtes monté? Je me souviens que tu me dois 20 dollars. Ah ouais? On en reparle après la guerre. C'était quoi ça? Ah les revues, putain. Ils peuvent pas mettre des lampes torches dans les bruits là. Ah bâtard, pourquoi t'as reculé? Défendez ici. Jack, à toi de jouer. Démolis cette porte. J'avais trouvé un objet collecté. Moi? Non, moi. Mais le bruit de ouf qu'il a fait, là. Il avait fait le même bruit qu'RDD2. On y va. Bordel, ça pue. C'est à vomir. Sans rire, cette odeur est vraiment ignoble. C'est ces essaimeurs. C'est de la vraie sale. Oh, j'ai le rayon de l'aube. Un terrain de trash ball. Concentrez-vous. C'est normal ou pas? Vous deux, venez non, ici et prenez ces armes. Attendez mon ordre. Ouf. En gros, l'une des meilleures armes de tous les jeux confondus. Incroyable. La gâchette en fond.
Il y a deux rayons de l'eau. Putain. Ça, c'est pas la classe. C'est tellement stylé, gros. Bon. Ouais, bon. Il y a ça encore des ennemis ? Ah, il y en a un deuxième ? Bon bah, vas-y, on fait descendre le pont, hein. Non mais on fait comment pour descendre ce putain de pont de mes couilles ? Je ne sais pas. Je crois qu'on est tombé sur un bug, hein. Du con. Bah... Non mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par détruire tous les SMR? Y'a pas un truc en haut? Non mais c'est pas moi le problème, c'est pas moi le... Ah si, regarde. Y'a des dégâts, j'ai l'impression que je suis un petit peu dessus. Reste où tu es. Pourquoi tu me caches? bah, je ne sais pas. Que veux-tu que je te dise? Je ne vois pas. On va essayer de reprendre nos derniers points d'invitement. Bordel, ça pue! C'est à vomir! Sans rire. Cette odeur est vraiment ignoble. C'est SMR. C'est de vraies saletés. On n'est pas sur un terrain de trash ball. Concentrez-vous. Vous deux, venez ici et prenez ces armes. Attendez mon ordre pour les utiliser. Allez, ouf, Taros. Le rayon de l'eau, il marche plus. Il a bugué aussi. Chérie.
C'est parti. On devrait utiliser le rayon de l'eau tout le temps. Marche qu'à l'extérieur. Même là, seulement quand les satellites sont alignés. En gros, on est verni. Contrôle, ici Delta, à vous. Ah, ça marche pas. Il doit y avoir d'autres dans cette zone. On y va. T'as vu? Il a ouvert la porte par la télékinésie. J'ai vu. Ils sont forts dans Gear, hein. Pas besoin de taper le code, il suffit juste d'y penser. Cher, hein, ce matin. RS. Allez les gars, Alpha nous attend. En formation. J'ai vu quelque chose. Bonjour petit rebut. Où est-ce que tu te caches? Descendez l'escalier. Contrôle, ici Delta. À vous, contrôle. Bien reçu, Delta. Votre signal est extrêmement faible. On est sur le problème. On va le régler. On se dirige vers Alpha. Delta ici 24. Répétez, s'il vous plaît. Êtes-vous avec Alpha? La Z2 est libre. Mon carburant baisse, à vous. Négatif 24, négatif. Soyez prêts. On y va, soldat. En même temps. En même temps de chaque côté. Frère. Est-ce qu'ils veulent ouvrir par la pensée? Cette merde sur l'opération d'Hoffman et son résonateur. Ça permet de cartographier les tunnels. On ira au cœur du système locuste et on le détruira. Ouais. C'est énorme. Bien reçu, Delta. 5 sur 5. Super nouvelle, Delta. Soyez prêts pour Alpha. Ici Alpha. Vous êtes où, les gars? Mince alors, vous étiez où tous? Squad Delta est au palais des souverains, à vous. Vous êtes à côté! L'ennemi nous bloque sur le toit de votre bicoque, à vous! Bien reçu, bougez pas, on va aller descendre. On bouge pas, lieutenant! Terminé.
Ouvrons ces troika. Ennemi repéré. Accueillons-les dignement. Mais voilà, mec! Où est? Alpha, on aperçoit votre position. Nous, on aimerait apercevoir vos armes sur nos ennemis. Bien reçu. Terminé. Ok. Ils ont une idée. Chargez les armes. Putain, là, j'avais une bolt hack. J'ai paumé. Bah non. Contournez-les. Bah tiens, il coule. Cool. Je sais pas, je suis vers la droite, j'étais sur le flanc droit à la base. Ah, t'étais du coin là? Je te vois pas, gros. Peut-être dans un bug ou dans un bail, ouais. Serre les dents et bats-toi! Bah, prends ça. Je sais pas comment t'as fait pour te calmer, te faire tuer là. Bah, moi non plus, tu vois. J'entends pas, je suis sourd. Non mais t'inquiète, dès que je reviens, on va continuer le gear et je vais te regarder du gear, t'inquiète. T'inquiète même pas pour ça. Mon pote. Parce que le non mais je reviens pas aujourd'hui, je reviens pas aujourd'hui. Non mais je reviens pas aujourd'hui. Voilà. Je reviens... dans la semaine. Le lieu de semaine. Non, même une semaine.
Mais je vais en arrière là. Vas-y. Pourquoi ce bâtiment était splendide? Il est chargé d'histoire. Quelle est calomnie. Un beau culot, soldat. Je sais pour ton procès. Mais c'était bidon. Montez là-dedans! C'est pas que c'est la fin de la mission. C'est pas que c'est la fin de la mission. Que tant d'y aller, que je me prépare, tout ça. Ouais, c'est la fin là. C'est que j'ai l'atterrissage, donc je peux partir. Tellement simple avec le rayon de l'aube. Bien reçu. On est dans la Z2 maintenant. Je vous vois. Fini l'enfer. Succès, quand même. Je vomis à chaque fois dans ces coucous. La place est libre à côté de Marcus. Et on a réussi! Ouais, c'est la fête. Où est Rojas? Quelque chose qui cloche. On a son deck. Le méchant d'histoire. Le boss. Boss. C'est la mission. Contrôle. Ici le soldat Phoenix. Le lieutenant Kim est mort. Nous nous sommes retirés dans le tombeau et nous devons sortir. Répétez, Alpha. Kim est mort? Confirmé, contrôle. Décédé. Bien reçu. Il y a une cour de l'autre côté de votre bâtiment. C'est la meilleure option. Bien reçu. C'est sûr qu'on peut pas trop rester ici. C'est toi, Baird. Ouais, mec, tu sors d'où?
Et toi, t'es qui? Mince, silence. On bouge pas. C'était quoi, ça? Une berserker. Elle a des oreilles. Et des narines. Berserker. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le berserker. La version parfaite de, du monstre qu'on a dans Gear 5. Tu vois le gros monstre qui détruit tout? Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais en version originale, quoi. Bon bah écoute. Ouais. Ben écoute. Artov, hein. On retrouve pour de prochaines aventures. Ah. Ah. C'est pas gros, vas-y, je te tiens en jeu quand je rentre. Vas-y mon gars, vas-y, repose-toi bien. Ah. Ouais. Attends là les gars. Arrête là. Prochaine bonne journée.